Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de livres, de deux livres exactement. Deux livres que j'ai reçus des éditions d'Anaé et du coup j'avais envie de les partager avec vous. Et comme ce sont des livres où il n'y a pas spécialement d'images, je me suis dit que j'allais vous présenter ces deux-là à la fois. Comme ça je vais vous lire le dos du livre, enfin des deux chaque fois. Et on va parcourir ensemble le sommaire et comme ça vous avez une idée de ce qu'il renferme. Donc, il y a celui-ci que j'ai reçu il y a déjà un plus long moment. Il s'agit de Ceridwen, déesse celtique de l'inspiration de Christopher Hugh. Et le deuxième, c'est Odin, introduction au père des dieux nordiques de Morgan Dengler. Voilà, voilà. Bon, on va commencer par le plus ancien. Je vais mettre celui-ci de côté. Donc, aux éditions d'Anaé, il y a pas mal de livres sur les dieux et les déesses. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai Aradia, j'ai la déesse Brigitte, j'ai Lilith. J'en ai vraiment pas mal. Loki aussi. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté. J'en ai plusieurs, mais je les ai oubliés. Je les ai plus tous en tête. Voilà. Et comme ils sont un petit peu dispersés dans mes différentes bibliothèques, je me suis déjà dit que je devrais les regrouper tous ensemble. Ce serait plus simple, mais bon, il faudra que j'y pense. Voilà, donc ici, la couverture est vraiment magnifique. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un gros bébé. Il fait exactement plus de 410 pages. Donc, vous voyez, c'est vraiment un beau bébé. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Une immersion passionnante au cœur des mystères de la tradition bardique. Ceridwen est une déesse très connue des païens du monde entier. Galloise, elle est profondément liée à l'inspiration lyrique, à la transformation ainsi qu'à la sagesse. Ce livre retrace ses origines à travers la mythologie et invite le lecteur à des pratiques et rites permettant d'accéder à son pouvoir incommensurable. L'auteur nous offre les clés de la dévotion et de la révérence envers la déesse et propose magie, poésie et chansons issues du célèbre chaudron magique de Ceridwen. Christopher Hughes propose également de s'initier au voyage contemplatif, de créer son autel et de pratiquer les rituels d'initiation pour toujours mieux se rapprocher de la déesse de la sorcellerie aux énergies transformatrices. Cet ouvrage offre une perspective unique et propose une vision à la fois profonde et accessible, un florilège de joyaux de sagesse pour un portrait des plus documentés destiné à devenir un classique parmi les érudits celtiques et les praticiens spirituels. Et il est au prix de 18 euros et comme d'habitude, il est imprimé vert et imprimé en France. Voilà, voilà. Ah, j'adore cette couverture avec ce chaudron. Alors, du coup, on va regarder un petit peu le sommaire ensemble. Hein. Voilà. Donc, il est 2022, il n'est pas vieux. Ici, on a quelques avis de lecteurs. Beaucoup d'avis de lecteurs, voilà, de différents... Il y a même l'auteur du Grand Œuf que j'aime beaucoup aussi. Ici, il y a un petit mot sur l'auteur avec son site... Il est chef de l'ordre druidique d'Anglesey. Érudit diplômé de Mont Emmaüs et membre de l'ordre des bardes, ovates et druides. Il est enseignant, écrivain, animateur d'ateliers et orateur invité à des conférences, des retraites et des festivals païens dans tout le Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe continentale. Il fait aussi des apparitions à la télévision et à la radio galloise et anglaise. Vous pourrez trouver des vidéos, des fichiers son et des informations pour contacter l'auteur, donc ici sur son site internet. Donc le sommaire, on a le prologue, une introduction à la chaise du barde et ensuite on va partir dans les chapitres et vous voyez, il y en a pas mal. Donc on a enquête de Ceridwen, la poursuite commence. Bon, je vais patienter deux petites secondes que le coucou arrête. Sur cela, je vous montre un petit peu déjà comme ça l'intérieur. Voilà, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'image, c'est beaucoup de texte. Hein. Chaque chapitre est coupé par cette image ici, du coup. Donc, on les retrouve facilement, vous voyez, sur les tranches, on voit les différents chapitres. Voilà, donc je vais juste vous lire, moi, le sommaire pour pas... Ça ne sert à rien de vous montrer tout le texte, page par page, ça prendrait trop de temps. Donc, on a
Enquête de Céridwen, la poursuite commence, le pouvoir de la mythologie, la quête de signification, Céridwen et la tradition bardique galloise, les quatre époques de la tradition bardique galloise, chant de louange, Céridwen et les Goginfert, je pense pas que je le dis bien, le livre de Taliesin, la chaise de Céridwen, Céridwen qu'y a-t-il dans un nom, Céridwen et le chaudron, sorcière, point d'interrogation, les visages homophobes de Céridwen, je vais y arriver. Donc, les différents visages d'animaux qu'elle peut prendre. Un cochon, quel que soit le nom qu'on lui donne. La transformation initiatique, les enfants de Céridwen. La déification de Céridwen. Céridwen et les mystères profonds. L'esprit narratif. Bon, là, je ne vais pas tenter le coup de vous le dire. Hein, vous voyez ici. Ir Isbrit Adrodol. Ah oui, bon, j'espère que je l'ai bien dit. L'esprit prophétique, la même chose. Ir Isbrit Profidol. L'esprit enchanté. Ir Isbrit Swinol. Je l'ai certainement mal dit. Lawen. Qu'y a-t-il dans un nom, le sens de Lawen? L'héritage rempli d'Awen Diolo Morgang. Le chant de Lawen. Kerigwen. Anf et les Andédion, Céridwen et les mystères bardiques, et ensuite on a mélangé le chaudron, les rituels et les pratiques, quand l'appropriation est appropriée, créer un hôtel pour Céridwen, les trois arts de Céridwen, devenir Gwion Bach, première partie et deuxième partie, un swin pour l'inspiration poétique du chaudron de Lawen, un swin pour la lucidité, affirmation quotidienne de Lawen, dévotion quotidienne à Céridwen, le pouvoir des trois, les chaudrons de la terre, de la mer et du ciel. Et ensuite, on a une conclusion, guide de prononciation du gallois, glossaire, documentation et bibliographie. Voilà, voilà. Donc, on va juste aller voir le guide de prononciation du gallois. Ça m'intéresse. Ah, voilà, oui. Ici, on vous explique du coup... comment les lettres se prononcent. C'est chouette, ça. C'est intéressant. Parce que j'aurais peut-être dû le dire avant. Pour éviter d'écorcher tous les noms. Voilà. Ici, du coup, on a le glossaire. Avec des petites définitions. C'est toujours intéressant aussi. Et il y en a. Du coup, alors, documentation. Ici, on vous propose des sites internet. Toute la bibliographie qui est riche. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs pages de bibliographie. Ça, c'est toujours très intéressant, hein, si vous voulez aller vérifier. Bon, il y a une bonne partie en anglais, mais bon. Et on finit avec, ici, eh ben voilà, le guide de la déesse que j'ai, hein, la déesse au quotidien. Et alors, oui, et 4 gelées, les deux, d'ailleurs, Perséphone gelée, Lilith, la Morrigane et Brigitte, je les ai aussi. Et ils sont tous très, très chouettes, voilà. Et on finit avec le mag. Voilà, donc c'est un gros bébé, mais très, très, très riche et très intéressant, je trouve, si vous avez envie de mieux connaître la déesse Céridwen ou de travailler avec elle. Voilà. Et ensuite, on va passer au deuxième. Je mettrai le timing. J'aurais peut-être dû le dire dans le début pour ceux qui veulent voir un des deux et pas les deux, ma foi. Donc ici, on a Odin. Celui-ci est beaucoup plus fin. Vous voyez, il se lit beaucoup plus vite que l'autre, il fait combien de pages? 104 pages. J'adore la couverture. Je trouve qu'il est magnifique, hein, avec son casque, avec ses ailes et ce loup ici à côté, son bouclier. Moi, j'adore la mythologie nordique en plus. Donc, voilà. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Odin, introduction au père des dieux nordiques. Odin nous met au défi d'apprendre et d'avancer. Parsemant notre chemin de poésie et de voyage, il est l'une des divinités les plus connues du panthéon nordique, avec Thor et Loki. Sa puissance légendaire lui vaut bien des histoires que l'auteur Morgan Demmler s'attache à nous conter dans cet ouvrage, afin que nous puissions saisir les tenants et les aboutissants de la personnalité complexe de ce légendaire vagabond.
marcher dans les pas du dieu de la sagesse et de la magie, créateur de toutes choses, aux côtés de ses corbeaux messagers et de ses loups mythiques. Donc, il est au prix de 12 euros. Il est un petit peu moins cher, vu qu'il y a beaucoup moins de pages que Kéridouen. Il est toujours imprimé vert et imprimé en France. Et vous pouvez tous les deux les trouver sur le site d'Alliance Magique. Hein. Vous pouvez les commander là ou alors ailleurs dans les librairies, Amazon, la Fnac, etc. Là, voilà. Donc, on va regarder. Je vais vous montrer un petit peu comme ça aussi. Voilà. C'est la même chose que pour Kéridouen. C'est du texte. Hein, donc, on ne va pas passer page par page, mais on va parcourir le sommaire ensemble. Comme ça, vous aurez une idée des chapitres qui le construisent. Voilà, voilà. Donc, il a été traduit par Léa Holmtom. Et il est aussi de 2022. Celui-ci est encore plus récent que l'autre. Donc ici, on a une petite dédicace. Ah, ici, on a les fameux corbeaux avec une note de l'auteur. Ici, on retrouve les runes. Hein. Et alors, le sommaire, on a une introduction. Qui est Odin? Odin dans la mythologie. Odin en dehors de la culture nordique. Symboles, animaux et objets. Odin dans le monde moderne, la magie avec Odin, et puis on a des prières et des poèmes, une conclusion, et Odin dans les médias d'aujourd'hui, et la bibliographie. Voilà, voilà. Du coup, je voulais quand même aller voir, moi, le chapitre 4 avec les animaux, en page 53. Voilà, et donc, à chaque nouveau chapitre, vous avez aussi une page noire pour le débuter, hein, vous voyez aussi, enfin, vous voyez un peu moins, comme il y a moins de pages, mais voilà. Et ici, du coup, on a Valhalla. Ouais, ça, je le connais, Valhalla. Hein. On en parle dans une série que j'ai vue dernièrement. Ben, c'était la série Viking, voilà, sur Netflix. Je crois que ça s'appelait Viking. Je suis même plus sûre du titre. Mais il parlait beaucoup de Valhalla. Voilà. Donc ici, c'est les symboles, les animaux et les objets. Bon, forcément, les runes, les corbeaux, les loups. Par exemple, Geri et Freki sont les noms de deux loups d'Odin. Leur nom signifie tous deux le gourmand. Selon le mythe, Odin ne consomme que du vin et donne toute sa nourriture à ses loups. Voilà. Donc, vous voyez, hein, il y a Yggdrasil, ça aussi, je connais ce terme. Enfin, voilà, vous voyez, il est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des prières ici à la fin. Par exemple, prière à Odin pour écrire, pour la sagesse, pour l'abondance, pour quand on fait un voyage. Voilà. Et puis, on a une conclusion ici. Voilà. Odin dans les médias aujourd'hui. Et alors, on a une bibliographie pour ceux qui aiment bien, quand même bien fournie également. Hein. Et ici, vous avez aimé Odin. N'hésitez pas à le faire savoir. Laissez-nous un avis, une photo sur votre réseau social favori. Hop! Et alors, je voulais quand même vous montrer Thor. Celui-ci, je ne l'ai pas, par contre. Loki, je vous l'ai présenté en vidéo il n'y a pas très longtemps. Le guide pratique de l'as intrus, celui-là, je ne l'ai. Je l'ai ou je ne sais plus. L'enclos des as, ça, je sais que je ne l'ai pas. Galdarbok, j'ai le premier, mais je devrais acheter les suivants parce qu'il y a 3 tomes. Brigitte, je l'ai. Et ici, vous avez encore des notes. Et c'est décoré aussi. C'est très joli. Voili, voilou. Et moi, je garde toujours les petits mots de Laura qui m'a envoyé ces livres pour les partager avec vous. Voilà. Donc, ce sont deux très chouettes livres. Hein, si vous aimez... surtout si vous pratiquez la sorcellerie, si vous aimez travailler avec les dieux, les déesses, que vous aimez en savoir plus sur les dieux, ou tout simplement si vous ne savez pas encore lequel travailler, avec lequel vous avez envie de travailler aussi, ça peut être des pistes. Vous pouvez en acheter plusieurs et lire et voir quel dieu, déesse vous parle le plus. Voilà. En tout cas, les deux couvertures sont magnifiques. Hein. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, mais j'adore celle-là aussi. Voilà. Donc, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour un de ces livres, s'il vous intéresse, si vous travaillez avec un des deux, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tous ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.